Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, la France a pour ambition de doubler sa consommation de biomasse pour la production d'énergie finale. La cogénération est une des principales technologies permettant de répondre rapidement à ces objectifs avec des rendements d'environ 80%. La société Birch est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle. Après un an de construction, elle a livré une centrale cogénération biomasse à l'une des plus grandes scieries françaises en Alsace. Pour le lot chaudière, nous avons pris la décision de travailler avec la société Birch, qui nous a paru être une société qui est à même de nous amener les qualités que l'on recherchait dans ce projet, en termes de qualité de matériel et en termes de durabilité de matériel et de rendement thermique. Ici, on arrive au niveau du ballon, on est à 26 mètres et ça, c'est le cœur de notre chaudière, donc le ballon qui sépare la liquide et de la vapeur et qui l'envoie après vers les surchauffeurs et la turbine. Donc on voit ici une fois visuel 65 bars et encore trois fois pour la sécurité, pour assurer, même s'il y en a un qui est en panne, on peut continuer à travailler. Et on n'est pas obligé de changer avant qu'il y ait un autre problème. Et j'ai suivi ce projet depuis le début en janvier 2011, pendant la conception au bureau d'études et après aussi ici sur le chantier pour faire la coordination entre toutes les équipes à la maison mère et aussi sur le chantier pour faire aussi la coordination de toute la logistique pour faire en sorte que tout le matériel arrive en temps et en heure pour organiser le montage. Donc il y a plusieurs parties de la chantière qui sont préparées au sol et qui sont après basculées et rentrées dans la charpente qui est préfabriqué ou prémonté. Donc le challenge du montage, c'était les intempéries. On a mis un an pour préparer le matériel, pour le fabriquer un peu autour de l'Europe. Et après, on l'a rassemblé ici au début novembre. Ce n'est pas la meilleure période, mais c'était notre planning. Et malheureusement, pendant le montage, on a eu aussi des fortes vents et des orages qui ont demander une coordination et une concentration des équipes exceptionnelles, mais ça a très bien marché. Et après, il y a une deuxième partie de la chaudière qui se rajoute. Donc au fur et à mesure, on commence vers le bas par la grille, la chaudière, le tambour qui est derrière de moi, de monter la chaudière et après la deuxième partie de montage, c'est toute la tuyauterie, toutes les connexions, tout électrique pour faire en sorte que tout l'ensemble est monté. Maintenant, on est en train de mettre en route et même cette phase-là, la formation des opérateurs, tout ça, c'est mon travail de suivre donc, le client tel le début jusqu'à la fin pour un projet. Wir haben dann und ein großer, also ein entscheidender Teil der Inbetriebnahme. Une étape essentielle est la mise en route de la chaudière à froid, car tous les signaux des capteurs et leur conformité doivent être vérifiés et étalonnés. La mise en route à chaud commence avec le premier feu, la mise en température de la chaudière et la production de la vapeur suivant les paramètres de base. Un protocole précis contrôle les étapes une par une.
Die Inbetriebnahme waren beginnt mit dem ersten Hochheizen der Anlage und der ersten Dampfproduktion mit Grundparameter. Das heißt, eine Feineinstellung erfolgt im weiteren Schritt. On peut voir ici tous les paramètres qui sont répertoriés sur le système de contrôle. Et ils sont surveillés en permanence. Derrière moi, on peut admirer le spectacle issu de notre caméra de surveillance du feu. Cette caméra est placée à l'extrémité de la chambre de combustion et transmet en continu l'image du foyer dans la salle de contrôle. En ce moment, on voit un feu bien établi avec une limite de flamme bien droite. Il s'agit d'un feu doux, sans fontaine. Cela signifie que la grille est chargée de façon homogène. Ok, maintenant j'arrive au cœur de notre chaudière, donc le foyer. On peut vérifier et regarder ici. La grille mobile du foyer est divisée en 5 zones qui sont actionnées indépendamment les unes des autres. L'ordinateur actionne ces zones en fonction des capteurs de température situés tout le long de la grille. Les débits d'air primaire et secondaire et leur mélange avec l'air de circulation sont maîtrisés grâce à des mesures de Venturi et de sondes à oxygène. Cette chaudière à grille mobile brûle chaque heure jusqu'à 10 tonnes d'écorce dont l'humidité peut atteindre 65%. La chaudière produit ainsi 25 tonnes heure de vapeur à 65 bars de pression et une température de 465 degrés Celsius pour une puissance thermique de 23 MW. Une partie de la vapeur est turbinée pour produire 5 MW électriques. La centrale est équipée d'un électrofiltre et le niveau des émissions ne dépasse pas 30 mg de particules par normal mètre cube. Voilà, là je vais vérifier les vannes de purge de vapeur qui sont liées en bas, qui sont tous centralisées pour que l'opérateur a tout ensemble. Il ne doit pas se balader partout dans la chaudière, il a tout ici rassemblé. Ici, j'arrive dans le local de traitement des eaux, un lieu très important parce qu'ici, on fait toutes les analyses de l'eau pour garantir un long vie de la chaudière. Une centrale de traitement de l'eau avec notamment des osmoseurs et des doseurs pour contrôler le pH garantit une constance des caractéristiques optimum de l'eau de la chaudière. La chaudière est équipée d'un système de descendrage humide. Ces cendres peuvent être mélangées ou séparées des cendres sèches issues des filtres. Donc là, on voit le bac de cendres qui n'est pas encore tout à fait terminé. Mais de toute façon, ce qu'on voit, même en plein production, il n'y a pas beaucoup de cendres qui sortent du process. Dans ce projet, nous assurons, nous, la société SIAT, la maîtrise d'œuvre de tout le projet. Pour en garder la totale maîtrise depuis l'origine, donc, autant au niveau de la réflexion qu'au niveau de la conception, et pour aussi tout au long de la conception de l'outil, de l'usine, pouvoir comprendre tous les fonctionnements. Donc dans ce cadre-là, nous avons beaucoup travaillé avec la société Birch au niveau de la chaudière tout en particulier, puisqu'à chaque étape de la construction, nous avons eu des formations qui ont été dispensés par les personnes sur place, entre autres. Comme exemple, au moment du montage de la chaudière, nous avons une formation complète avec des explications de toutes les parties qui, dans le futur, sont invisibles. C'est-à-dire tout ce qui est sous le réfractaire, tout ce qui est isolé, etc. Profiter de ces phases-là pour comprendre l'outil dans son cœur. Et ces phases de formation ont été réitérées tout au long de la construction à chaque fois que cela était possible et nécessaire. Et bien sûr, le personnel Birch a toujours été disponible pour nous, pour répondre à toutes nos questions,
autant au niveau de l'encadrement que des futurs contremaîtres, mais aussi des opérateurs que nous avons impliqués de longue date, déjà pour certains, tout au démarrage de la construction, même au niveau des fondations déjà et de la construction du bâtiment. Et donc ces personnes-là ont eu la chance d'être formées et de pouvoir attaquer la mise en route avec un bagage déjà assez important. Bertsch Energy, entreprise familiale autrichienne depuis 1925, est reconnue comme un leader européen des chaudières industrielles. Plus de 300 collaborateurs conçoivent et fabriquent des centrales de production d'énergie thermique et de cogénération. Les chaudières à combustible solide pour biomasse et combustibles spéciaux font partie de l'offre Bertsch Energy qui, depuis 2000, a mis 22 sites en service avec grilles ou lits fluidisés.